1956. I was here doing trapeze with Burt Lancaster and Gina Lollobrigida. No, I'm not Tony Curtis. Je ne suis pas Tony Curtis, mais en passant devant le cercle d'hiver, comment ne pas s'arrêter et se remémorer le classique de Carol Reed de 1956, tourné en direct à Paris. D'où l'ambiance extraordinaire qui fait le charme de ce film, le côté immersif de Trapèze de Carol Reed. Animali scortati per tutto il percorso dai fotografi, Burt Lancaster e Tony Curtis in maglia da trapezisti facevano la guardia alla nostra Gina Lollobrigida. Lollo, feritasi durante una ripresa del film, non doveva andare alla sfilata, ma la ex bersagliera ha voluto essere ugualmente presente. Excusez-moi, vous savez que vous sortez de la bouche de métro dont jaillit Tony Curtis dans Trapèze avant de se rendre au Cirque Bouglione? Ah, je savais pas du tout ça par contre. Parce que du coup, je connais le film, je l'ai vu très jeune. Si là, quand même, j'ai 20 ans. Mais j'ai vu ce film-là quand j'avais 10 ans avec mes parents. Puis Bernard Cassel, il avait ce passé aussi. Il était acrobate. Et du coup, on sent que dans le film, il est doué. Il est à l'aise dans son rôle. Ah, vous connaissez Récemment, j'ai vu un film, mais moins connu, mais pourtant c'est le meilleur, de Swimmer. Oui, excellent. Très très beau film. Mal aimé aux États-Unis, mais assez aimé en France. Je suis assez contente quand même. C'est un peu un conte initiatique. Comment on peut appeler ce film? La fin est quand même très prenante. On ne sait pas. Il y avait une amie à moi qui disait spoiler. Oh, mais il y avait une amie à moi qui disait ça se trouve, il était mort depuis le début du film. Parce qu'à la fin... Excellent, d'accord. Il était dans un rêve de la quatrième dimension. Dans l'orchestre, c'est aussi le train, film français, ici. French patriots like Labiche, a dedicated railroader, are willing to risk their lives in desperate acts of sabotage against the German invader. Such is the theme of John Frankenheimer's new film, Strength into Action. Physically fit, as in his circus days, Bert is hurrying to Jean Moreau and one of their big romantic scenes. Jean plays a war widow who is drawn into Bert's underground fight against the Nazis.
and had just finished a film with Bert, which was my third film with him, and he called me and asked me to come over here and do this film for him, with him. And I love working with him. I think I like working with him more than any other actor I know. Even though The Train is their fourth film together, this job brings its own surprises. Comme Back Little Sheba ou alors oui. Vera Conseil Guy Cooper, Le Guépard, bien sûr, c'est une en Europe. C'est vraiment un des meilleurs acteurs, un des plus talentueux, un des plus charismatiques aussi. Versatile aussi, polyvalent. On dirait audacieux aussi dans ses choix d'histoire. Hein? Pour moi, vraiment, il avait une des meilleures carrières. Il a rarement fait des mauvais choix dans Lancaster. Il a toujours pris des bons films. Est-ce que vous connaissez Führer Apache de Robert Aldrich, oui, qui clôt l'histoire de Masai dans Bronco Apache un petit peu, hein? C'est un retour sur l'Indien insoumis. Ça va toujours montrer les Indiens comme les méchants dans les films américains. Là, dans ce film-là, c'est beaucoup pour l'époque. C'est touchant. Ça montre un autre aspect. C'est plaisir à voir aujourd'hui encore. Mmh. Là, on est à Paris et derrière nous, on a Notre-Dame de Paris. Et quand on pense au lieu de tournage, on pense au film Notre-Dame de Paris avec une légende du cinéma italien qu'on a perdu récemment. Qui est Gina Lollobrigida, qui a incarné Esmeralda, inoubliable Esmeralda. Elle, avec sa tenue, elle était sauvage, elle était ravissante dans ce film, resplendissante. Que penses-tu d'Anthony Quinn? C'était un géant dans Notre-Dame de Paris, il est super, mais il est aussi super dans Zorba le Grec, dans pour moi le meilleur film de Fellini, qui est. La Strada. Comment j'ai pu oublier La Strada? Non, ça nous arrive. La Strada, le plus beau film de Fellini, où j'ai La Dolce Vita. La Dolce Vita, pour moi, c'est surcoté. Pour moi, La Strada, c'est son meilleur film, le plus touchant, le plus beau. Et Anthony Quinn, incroyable. Et Arrivato Zampano. Ah, super. Anthony Quinn, il a une longue filmographie, une longue carrière impressionnante. Barabbas. Ouais, Barabbas, que Tavernier disait que c'était le meilleur péplum, enfin le meilleur film historique. Je suis bien d'accord. Enfin, je veux dire, je suis bien d'accord qu'il n'est pas à ses côtés. Un des meilleurs films historiques. Barabbas, c'est Fleischer, je crois. Ouais, hein. Oui. Le Mont Vésuve. Fleischer a touché à plusieurs genres. Enfin, il a touché au péplum, il a touché au film un peu historique, mais il a touché aussi au film de science-fiction. Moi, je pense à Soleil Vert, qui pour moi est un de ses plus beaux films. Et vraiment, un film vraiment assez. C'est un film prophétique, un film, une dystopie incroyable, qui se passe en 2022, et 2022 c'était il y a un an, même pas, parce que là on est en février 2023. Bien vu à l'époque, hein, pénurie d'eau, surpopulation. L'euthanasie, on n'a pas d'euthanasie, quand même, qui est toujours actuellement un débat aujourd'hui dans notre société quand même. Mais moi du coup, mon acteur préféré, c'est, peut surprendre, c'est Charlton Heston. Un acteur hollywoodien des années 50, 60. Il a eu une longue carrière quand même. Et cette année, on est en 2023, c'est son centenaire. Je suis étudiante en cinéma et je prépare peut-être un futur projet de master sur lui. Mais j'ai peur de soumettre mon projet parce que j'ai peur que des professeurs disent « Ah, mais lui, il n'a pas eu de bonnes convictions politiques à la fin de sa vie, on va pas vouloir qu'une étudiante fasse des études dessus. » J'ai envie de leur rappeler l'engagement de l'acteur pour les droits civiques quand il était jeune. Son engagement auprès des enfants malades quand il était jeune, sa passion pour le dessin, pour les arts, sa défense des arts. Je vois que tu connais bien le personnage, tu as glané, tu as lu sur lui ou... Ouais, son autobiographie, Indie Arena, son journal de bord, bah, comme tous les fans de Heston, hein, que je connais,
on est archi fan et on a tout lu sur lui. Cette biographie de Mark Elliott, il aime aucun de ses films en fait. C'était très sévère. Quand on lit son autobiographie, on voit qu'à chaque fois il dit qu'il n'était pas très bon dans ce film-là, qu'il aimait tel film plus qu'un autre et qu'il sous-estimait certains de ses films alors qu'ils sont très même très bons. Faut pas dire que Eston a toujours été Eston dans ses films, c'est faux. C'est intéressant, ouais. Alcide Anthony Mann, ça fait une sacrée fusion de talents là. Hein. Quand tu as 7000 figurants sur la plage de Peñíscola, dont 200 cavaliers au moins sur Alcide, là c'est du vrai. Quand on voit que par exemple pour certains films, y compris je pense Gladiator, il y a eu beaucoup d'images de synthèse, alors que pour des films comme Le Cid, comme Ben-Hur, comme Les Ducs en Roi, il y a eu des vrais figurants, il y a eu des milliers de figurants. Et Keston a été l'acteur principal de ces films-là. A who's who of great Hollywood stars. Charlton Heston arriving with Mrs. Heston enacts the role of Moses, from his youth to leading his people out of bondage. I think he felt that he was slightly underwhelming as Moses, that he could have been better, which is ironic because everyone thinks of that as being his iconic role, and it is, no question. It tells you a little bit about the nature of what sort of man he was. He always thought he could do better. Anthony Mann, les westerns avec James Stewart. Oui, d'ailleurs, Anthony Mann, quand il travaillait avec Stewart, il donnait à Stewart des rôles assez anti-héros, un peu vulnérables. James Stewart, il ne jouait pas vraiment l'homme fort dans ses films. Hein. C'était un peu l'antithèse de John Wayne, moi, je trouve, hein. Quand même, James Stewart dans les films d'Anthony Mann. A lot of you folks have read this story, The Man from Laramie, The Saturday Evening Post. Well, we made a picture about it. Out in Santa Fe, New Mexico. And here are some scenes from The Man from Laramie. C'est-à-dire que James Stewart dans les films d'Anthony Mann à chaque fois il joue des personnages très humains. Je suis ici pour repérer les tournages d'Amicalement Vôtre aussi. As-tu quelque chose à dire sur l'un de ces deux acteurs ou leur alchimie, leur je pense aux improvisations de Tony Curtis pendant certaines scènes qui font tout le charme de la chose et Roger Moore qui lui c'est l'aplomb, c'est le leading man, il raccroche le dialogue que Tony Curtis n'a pas dit parce qu'il a fait Bette Davis ou Laurel et Hardy pour que le scénario puisse poursuivre. Je trouvais assez intéressant de voir Amicalement Vôtre parce que juste avant j'étais pas immensément fan de Tony Curtis. Mais c'est après avoir vu Amicalement Vôtre que j'ai essayé de revoir un peu ses films, notamment L'étrangleur de Boston, vraiment il est excellent. Même dans certains des films, je le trouve déjà très bon quand même, face à Jack Lemmon, face à Marilyn Monroe, la divine Marilyn Monroe. Et je trouve que dans Amicalement Vôtre, il est vraiment très sincère dans son jeu. C'est-à-dire qu'il est une nature, tout comme Roger Moore, enfin ils ont une alchimie tellement vraie. Tony Curtis and Roger Moore star as The Persuaders, tomorrow night on ABC. C'est incroyable comment ça se marie, les deux ils se marient. Et à l'écran, c'est pour moi, ils forment un des plus beaux duos charismatiques, une des plus belles alchimies à l'écran. D'ailleurs, Roger Moore, il est connu surtout pour James Bond, mais moi j'ai préféré dans Amicalement Vôtre. Pick up a painter. Stay on top.
Roger Moore, il a aussi été dans Le Saint, qui d'ailleurs était sa première série. C'est là où il a un peu été découvert, il me semble, je crois. I suppose all the time, every time we have a fight, which I enjoy, and I enjoy doing the fights. But accidents happen. That's a nice job. I'm accident prone, but so far I haven't broken my nose. I've broken a couple of ribs from time to time. I've broken a wrist. And the lovely thing is that the insurance company says, oh, he cannot go skiing. I can't indulge in winter sports. He mustn't ride horses in private, but I do all these ridiculous things for films, and I'm always getting knocked about. But anyway, that's life, it pays well. Et c'est après cette série-là qu'il est devenu célèbre, qu'il a été dans Amicalement Vôtre, puis dans James Bond. D'ailleurs, il me semble qu'il a au début voulu refuser d'être dans Amicalement Vôtre parce qu'il voulait plus faire de la télévision, parce qu'il a été dans Le Saint avant. Et bah finalement, il a bien fait d'avoir quand même fait Amicalement Vôtre parce que, ouais. Take a pair of playboys with nothing in common except trouble, a couple of bad guys, lots of fast cars, some nice girls, shootouts, action, romance, and lots of groovy dancing. Put them all together and you've got the Persuaders. There are six of them, sir. You want a bet? $100? You take a check? They don't come any funkier than this. Roger Moore. Tony Curtis. I do all the worrying, all the thinking. All you have to do is take the risk. All right, I'm sorry, I apologize. The Persuaders, Monday at 10:30 on Nick at Night.